Bonjour à toutes et à tous. La dernière fois, nous avons donc lu la Mishnah Berachot, la première Mishnah du premier chapitre. Et avant de passer à la Gemara, qui est donc l'explication en araméen, je voudrais tout d'abord que nous passions un petit peu de temps pour approfondir cette Mishnah. Et pour ce faire, nous allons regarder un certain nombre de commentateurs. Donc ici, je suis allé sur Sefaria. Donc si je vais sur Sefaria, bon évidemment, vous pouvez le mettre en anglais ou en hébreu. Moi, je vais directement en hébreu. Donc vous avez ici Mishnah, Berachot, qui est le premier traité. Et donc nous tombons sur le premier chapitre et la première Mishnah. Tout ce que nous avons vu dans la vidéo précédente était une explication plutôt orientée linguistique, sommaire, on va dire, de cette première Mishnah. Donc ce qu'on appelle la Mishnah en général, c'est l'ensemble des 63 traités qui ont été donc compilés en l'an 200 par Rabbi Yehuda Hanassi. Et une Mishnah, Mitnata en araméen, c'est une section, on va dire, d'un traité. Il n'y a pas de versets, c'est des sections qui sont un peu plus longues. Donc un traité de la Mishnah est sous-divisé en chapitres et en Mishnayot, donc des Mishnah, des sections. Je voudrais préciser ici que Mishnah, ça veut dire répétition. Shana, vous savez, c'est l'année. Les Shanot, ça veut dire changer, ça veut dire aussi répéter et ça veut dire aussi enseigner. Il y a, dans la racine Shana, il y a l'idée de répétition et donc d'apprentissage par répétition. Idéalement, c'est vrai qu'on pourrait par exemple apprendre cette Mishnah par cœur. Et la Mishnah est écrite dans un style totalement elliptique, dans un style condensé, qui permet précisément cet apprentissage par cœur. Il s'agit même d'un enseignement qui a été, je dirais, rédigé à l'oral. Un certain nombre de chercheurs actuels, enfin, modernes, ont identifié le fait que cette publication, entre guillemets, de la Mishnah en l'an 200 n'était pas une publication écrite, mais était une publication orale. Ceci étant dit, à propos de la Mishnah, donc, on va regarder les commentateurs. Comment ça se présente lorsqu'on a une page du Talmud? Vous voyez ici, j'ai fait apparaître pour plus de facilité sur un site qui s'appelle hebrewbooks.org/chasse. Si vous allez sur ce site, donc chasse, c'est Shishas Darim, les six ordres, c'est-à-dire en fait les six ordres, les six sections, on peut dire, de la Mishnah. Donc le premier traité, c'est les semences, donc Berachot fait partie des semences, etc. Il y en a six. Donc en général, chasse, ça désigne la Guémara, le Talmud de Babylone. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est exactement la même chose que les éditions papier que vous pouvez acheter des choses de ce type-là. Donc voilà. Je repasse en mode pour que vous puissiez voir. Donc ça, par exemple, c'est un volume, donc le traité Berachot du Talmud de Babylone. Si on ouvre l'intérieur, je vais déclencher la caméra de manière à ce que vous puissiez voir le contenu d'un tel volume. Donc voilà, ici on a Maseret Bavli. Alors en fait, toutes ces éditions classiques, je
dirais, reproduisent en réalité l'unique version, l'unique, enfin la première édition qui s'appelait l'édition de Vilna. Et dans cette édition de Vilna, il y a toujours d'entrée une sorte de portique qui est le premier DAF. C'est le premier folio. Donc en général, c'est quelque chose de ce type-là. Et puis sur le verso, il y a tous les commentateurs qui sont imprimés. Ça constitue un DAF, un folio avec un recto et un verso. Et donc, c'est la raison pour laquelle le texte de la Guémara, de l'édition du Talmud, commence toujours au folio numéro 2, au folio Bet, qu'on voit ici. Donc, ici, on a sur une page classique, vous voyez, au centre, donc la Mishnah, et quand la Guémara commence, on a ceci, Gimel même, qui signifie Gemara. Et cette feuille, cette présentation est entourée alors de Rashi à l'intérieur de la page, vers le centre de la reliure, et vers l'extérieur, les Tosafot, c'est-à-dire des commentateurs qui sont venus après Rashi. Donc Rashi est un rabbin français du 11e-12e siècle qui a commenté la Bible et le Talmud, une grande partie du Talmud. Les Tosafistes sont, on va dire, des élèves ou des personnes qui sont venues après Rashi, plutôt au 13e-14e siècle, et qui ont proposé une méthode de lecture du Talmud. Leur objectif, c'est un petit peu de discuter, j'allais dire de faire une lecture intertextuelle des différentes pages du Talmud, en relevant notamment des incohérences, à la fois dans la Mishnah, la Gemara ou dans Rashi, et de tenter de résoudre ou de proposer une résolution de ce qui peut apparaître a priori comme des incohérences. Donc pour l'instant, on ne va pas regarder les Tosafot, mais je vous propose, comme c'est plus simple, de regarder cette page qui est en ligne, mais qui correspond exactement aux éditions papier qu'on peut trouver. Donc vous voyez, on a ici Rashi à droite. Donc Rashi, les Tosafot ici, et au centre on a le texte de la Mishnah et de la Gemara. Donc là on retrouve ce qu'on a vu, Meimatai Korin Etchma Baravin, et ici on a le Gimel Mem Gemara. Donc là après la Mishnah on a la Gemara qui correspond, c'est-à-dire l'explication ou la discussion qui va être faite sur la Guémara par les sages des générations d'après Yehuda Hanassi. Voilà. Et puis on a un certain nombre d'autres commentateurs aussi sur les côtés. Je voudrais aussi vous faire remarquer que sur le site idaf.com, donc e-daf.com, vous pouvez, alors si on arrive directement, on arrive sur le DAF du jour, c'est-à-dire la page du DAF, puisqu'en fait chaque jour il y a un DAF qui est lu, donc recto verso, et on finit le Talmud en 7 ans avec cette méthode. Bon, pour pouvoir faire le DAF Hayomi, donc la feuille, le folio du jour, il faut bien entendu avoir pas mal de temps devant soi et être et connaître déjà assez bien pour pouvoir, ben, j'allais dire, remplir en une journée ou peut-être en une demi-journée ou en 2 heures la lecture d'un recto et d'un verso.
Ici, vous pouvez choisir une autre daf. Donc, par exemple, ici, nous, on va choisir Berachot A. Et l'avantage aussi, c'est qu'on a donc small, large et menucad. Menucad, ça veut dire, comme vous le savez sans doute, ponctué. Et c'est intéressant parce qu'on a donc la ponctuation, c'est-à-dire le nicoud qui est rajouté et qui permet de lire. Alors, je suis pas sûr que ça sorte extrêmement bien à l'écran actuellement. Je vais essayer de le grossir. Voilà. Donc on a la Guémara, notamment Rashi et les Tosafot qui sont totalement ponctués. On nous signale que cette version donc ponctuée est disponible et donnée provided by Tuvias. Tuvias, c'est un éditeur new-yorkais qui propose des gemarot, donc des livres de Guémara pas très chers et qui sont totalement ponctués. Alors, je pense que c'est. J'ai déjà eu l'occasion d'en consulter. C'est vrai que c'est assez agréable à lire. On peut aussi écrire pas mal autour. Voilà. C'est un objet d'étude qui peut être assez sympa. Sachant que, évidemment, comment il s'appelle? Steinsaltz, on a également la ponctuation qui est donnée. Mais je dirais que l'addition Steinsaltz, voilà, si vous la voyez, on a d'un côté, donc à droite, vous voyez, on a vraiment l'édition de Vilna intégralement reproduite. Et en revanche, sur la page de gauche, on a l'explication de Steinsaltz, et là, on a évidemment la Guémara qui est totalement ponctuée. L'avantage de Tuvias, c'est qu'on a en plus Rashi et les Tosafot qui sont ponctués. Voilà, donc ça peut être intéressant d'avoir également cette édition. Je vais tout de suite repasser à présent sur la Mishnah. Je dirais que c'était un complément aux outils. De toute façon, il y en aura toujours de nouveaux outils. Donc ici, notre Mishnah, nous allons la prendre dans Sefaria. Et quand on clique là-dessus, on a, alors si vous êtes en anglais, vous avez commentary, Tanakh, Talmud, Midrash, Halakha, reference, etc. Si vous êtes en hébreu, Mefarshim, donc les commentateurs, Tanakh, Talmud, Midrash, Halakha, Iyun. On a donc des liens qui sont automatiquement proposés à propos de ce texte-là. Donc par exemple, Tanakh, si je clique dessus, il me propose des citations du Tanakh à propos de ce passage. Donc par exemple, Dvarim. Évidemment, il cite une partie du Shema Israël, donc dans Dvarim Vavzayin, Deutéronome 6, chapitre 6, verset 7, Veshinantam levanecha, vedibarta bam, beshevtecha, bevetecha, donc, il cite comme appui, parce que c'est incidemment, le texte de la Mishnah fait incidemment allusion, évidemment, à ce texte-là. Idem pour les passages de Vayikra, donc du Lévitique. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Ça permet de naviguer assez rapidement. Y compris d'ailleurs, par exemple, si je clique là, vous voyez, ça m'ouvre une autre fenêtre. Et je peux. Là, j'ai un verset du Tanakh. Je peux à nouveau cliquer dessus et avoir, par exemple, le Rashi. Ou le Targum qui correspond, par exemple ici j'ai le Targum, si je veux le Targum Onkelos, voilà, j'ai le Targum Onkelos qui dépend du Vayikra, de ce verset de Vayikra, qui lui-même dépend de la Mishnah Brachot. Voilà. Donc, ce qui va nous intéresser aujourd'hui,
dans les commentateurs de la Mishnah, alors vous voyez, il y a beaucoup de commentateurs. Voici donc les principaux. Donc on a Barthénora. Alors quand il met 59, en fait, c'est le nombre de paragraphes du commentateur. Donc Barthénora a 10 paragraphes. Donc Barthénora, c'est un commentateur assez moderne. Donc on peut taper Barthénora. Voilà, il est de 1455-1520. Voilà, un rabbin du 15e siècle, italien. Donc c'est un des grands classiques du commentaire de la Mishnah. Il y en a un aussi qui est très connu, c'est Rambam. On va dire que c'est quand même les deux grands commentateurs de la Mishnah. Donc Rambam, c'est Maïmonide. Donc on peut lire par exemple Barthénora à propos de la Mishnah que l'on a étudié, que l'on a survolé, je dirais, dans notre vidéo précédente. On peut regarder aussi Rambam, donc Maïmonide, et on peut également, pourquoi pas, regarder, enfin, ça c'est pas pourquoi pas, c'est absolument nécessaire, Rashi, sachant que Rashi, lui, il commente la Mishnah, mais il commente aussi la Gemara. Donc c'est, on va pas le trouver dans les commentateurs ici, on va les trouver si on va sur Talmud, Berachot, et que là, on est sur directement sur le Talmud. Là, je clique. Donc, et là, je vois Rashi. Voilà. Donc là, j'ai le commentaire de Rashi sur cette partie de la Mishnah. Bon, il y a des tas d'autres commentateurs de la Mishnah, y compris modernes. Dans les modernes, Hanoch Halbeck, et j'allais dire le rabbin... universitaire le plus connu. Alors, nous allons, après tous ces préambules assez longs, passer tout de suite à Barthénora. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Je pense que c'est important de bien avoir ça en tête avant d'attaquer la Gemara. Ah oui, il y a aussi, j'avais oublié, un commentateur de la Mishnah qui est extrêmement important, qui est Keati. Voilà, c'est ce livre-là. C'est des petits livres. Keati, il est extrêmement concis. Enfin, il est extrêmement concis. Non, il est extrêmement précis. Et il explique très très bien. Donc, le commentaire de Keati, c'est un rabbin israélien du 20e siècle, qui était banquier de son état, et aussi, bon, vous regarderez sur internet, Keati, K-E-H-A-T-I. Et alors, l'avantage de Keati, donc vous pouvez acheter ça, je vais dire, c'est l'idéal, avant de vous lancer dans la Gemara, ça peut être assez long, mais c'est vraiment très très intéressant, ça dépiote, c'est une sorte de, finalement, une sorte de Gemara moderne, simplifiée. L'avantage de ce Keati, c'est que il est gratuit sur une application iPhone qui s'appelle Keati. Donc voilà, je sais pas si on voit, c'est Keati, K-E-H-A-T-I. Visiblement j'ai des problèmes pour faire fonctionner ma webcam secondaire. Voilà. Donc, Keati, le voilà. Voilà, donc vous avez l'intégrale des bouquins qui sont derrière moi, mais gratuitement sur une application iPhone. Je crois pas que ça existe sous Android. Il faudrait regarder, mais il me semble pas. Un dernier mot aussi, c'est que le Keati en question, il existe, grâce à Dieu, en anglais, sur... si vous passez en mode anglais, ici, et qu'on va dans Commentary, et que vous voyez Modern Commentary, Explanation, English Explanation of Mishnah, ça, en fait, c'est Keati. C'est pas explicitement écrit,
Mais c'est le commentaire de Kehati sur la Mishnah. Donc évidemment, quand on est anglophone, c'est assez pratique de lire. Vous voyez, c'est assez long hein, ce qu'il y a d'écrit. Je ne sais pas si on a le temps de lire tout ça dans une vidéo, mais je vous recommande fortement d'aller lire Kehati avant d'attaquer la Guémara. Ça va vous donner une idée de ce qui se passe, des discussions, du contenu des discussions qui va y avoir lieu, qui va avoir lieu ensuite dans la Guémara. En attendant, nous allons lire Barthénora, petite partie de Barthénora en tout cas. Je ne sais pas si je vais expliquer linguistiquement tout. Bon, c'est de l'hébreu plus moderne. Alors, que dit Barthénora ? Meimatai Korin. Donc là, il commente juste Meimatai Korin. Quand lit-on ? Meimatai Korin. Misha, Shehakohanim Nichnisim, Lechol Bitrumatan. Donc là, il répète ce qu'a dit la Mishnah. Kohanim. Chez Nitmeu, les prêtres qui sont impurs, ve tavlou, donc qui se sont souillés et qui se sont immergés. Taval, c'est tvila, c'est aller s'immerger dans un mikvé, dans un bain rituel. En yecholim lechol, donc kohanim shenitmeu, des prêtres qui se sont immergés, qui étaient impurs, qui se sont immergés, en yecholim lechol batruma, ils ne peuvent pas manger la truma, ad she yaariv shimshan, jusqu'à ce que, alors yaariv c'est erev, donc ça veut dire décliner en fait, c'est le soir qui arrive. Shimshan, donc leur soleil, Shemesh, le soleil, jusqu'à ce que leur soleil, c'est-à-dire le soleil du jour, ait décliné, soit parvenu au soir. Dehainu, c'est-à-dire, alors Hainu, ça, c'est aussi, la Barthénora, on va toujours reprendre notre fameux Steinsaltz, toujours. Dehainu, c'est aussi un terme qu'on retrouve dans la terminologie rabbinique. Évidemment, Barthénora va l'utiliser. Tous les rabbins, en fait, finissent par adopter un langage qui est... Même les rabbins postérieurs au Talmud, évidemment. Alors... Hainu, voilà, Hainu, c'est la même chose, Dehainu, voilà, Hainu, c'est-à-dire, donc là je sais pas si ma webcam fonctionne, donc dans le guide du Talmud de Steinsaltz, vous avez ceci, un glossaire, ça apparaît pas très bien à l'écran, je suis un petit problème de... Voilà. Donc là, Hainu, il est ici. Voilà. J'ai un problème de mise à jour, de refresh de l'image. Bon, je vais pas passer trop de temps. Vous irez voir, de toute façon... Ça, c'est nécessaire. Je ne vais pas vous le montrer à chaque fois. Le mieux, c'est que si vous voulez vraiment vous mettre au Talmud, ça me paraît incontournable de l'acheter. Et donc, dans les vidéos, je ferai référence au contenu de ça à chaque fois. Peut-être pas forcément le montrer à chaque fois. Donc, Dehainu, c'est-à-dire. Alors,
Dehainu tset hakochavim, c'est-à-dire la sortie des étoiles. Alors, que nous dit Barthénora? Il nous dit que finalement, le moment où le soleil décline pour que les prêtres aillent manger leur terouma, en fait, ça correspond. C'est une manière de dire la sortie des étoiles. Parce que finalement, ce n'est pas écrit du tout dans notre Mishnah. On ne parle pas du tout de la sortie des étoiles dans le ciel. On parle. Mais lui nous explique que ça, évidemment, c'est la sortie des étoiles. Veha, Delotani, et. Alors, Ha, c'est pareil, c'est un mot qui est de l'araméen. Donc là, il commence déjà, en fait, quelque part, de manière un peu naturelle. Il parle un peu comme la Guémara. Il faut aller chercher pareil dans le Steinsaltz. Veha, donc ha, c'est ce, mais pourtant. Veha, mais pourtant. Delotani, donc de, alors le de aussi, ça c'est de l'araméen. Là, on est quasiment dans un langage qui est proche de la. C'est une sorte d'hybride entre l'hébreu et l'araméen. C'est un langage artificiel en fait. Des lettrés, des rabbins érudits, assez tardifs. Donc, des lots. Alors, des, c'est comme chez. Veha, c'est comme si on avait chez l'eau. Tani. Alors, tani, c'est l'équivalent de shana en araméen. Le tav et le shin se permutent, très souvent. Ce qui est shin en hébreu et tav en araméen. Et on a le yod qui est permuté avec le he. Donc, veha de lo tani. Mais pourtant, il n'a pas enseigné mishaat tset akochavim. Donc, il n'a pas enseigné explicitement. La Mishnah n'a pas enseigné explicitement. Que c'est il n'a pas explicitement prononcé le mot tset akochavim. Milta agav ore. Alors, ça, c'est aussi. Finalement, on est déjà en train de faire un peu de Guémara. Milta agav. Milta, donc, milta, c'est une chose. C'est comme mila. Mila d'avar. Donc, mila en hébreu moderne, c'est un mot. En araméen, donc, en hébreu mishnique aussi, on a mila. Milta, c'est l'équivalent araméen de mot. Mais comme davar qui veut dire un mot, une parole, qui veut dire aussi une chose, un événement, un truc, pareil en araméen, il y a cette même idée. Donc milta, donc une parole ou une chose. Agav, alors agav c'est intéressant comme mot. Au départ c'était un mot araméen, c'est al-gav, puisqu'en araméen on a souvent le al, le sur. Qui est accolé comme ceci au mot qui suit. Donc agave, l'étymologie de agave, si vous faites de l'hébreu moderne, agave, vous savez que ça voulait dire à propos, au fait, voilà, ça s'utilise beaucoup dans le langage courant, c'est un peu un mot fourre-tout, agave, et, agave mata, c'est ARF, à propos, qu'est-ce que tu fais ce soir? Bon, ça vient en fait de la langue talmudique, agave, et ça veut dire sur le dos, le gave c'est le dos, donc effectivement ça veut dire à propos, oré, donc en fait ça c'est une expression, agave, oré, qui est devenue courante et qui veut dire si on regarde par exemple dans un dictionnaire moderne on va trouver si je prends agave par exemple dans le Even Shoshan. On va trouver le sens de agave oré. C'est un peu comme une locution, on va dire, une locution araméenne
un petit peu, un peu comme nous, on a des locutions latines à l'intérieur de... Quand on s'exprime en français, on dit par exemple a priori, a posteriori, in fine, etc. Il y a un peu la même chose entre l'hébreu et l'araméen. On va retrouver à l'intérieur de l'araméen des expressions, des locutions araméennes. Donc voilà l'entrée à dans Even Shoshan, donc un dictionnaire d'hébreu complet. Vous voyez ici c'est marqué Agav Al Gav. Et on a ici directement Agav Ocha, qui est équivalent de Agav Ocha, hein, et qui signifie Beizdamnout Torkedekar. Donc à l'occasion, à propos. Voilà. Donc c'est exactement cette expression toute forgée qu'emploie notre ami Barthénora. Il va même rajouter juste après trois lettres, une abréviation, Kof Mem Lamed. Et là, c'est là que ça commence à être compliqué. Mais heureusement, Steinsaltz, encore une fois, a dans son index, dans son dictionnaire, un paragraphe, tout un chapitre sur les abréviations. Voilà. Donc c'est ça. Donc si je vais à Kof Mem Lamed, je vais tomber sur ceci. Ka Mashma Lan. D'accord. Alors Ka, c'est un auxiliaire araméen qui se traduit pas. Mashma, donc c'est de l'araméen, c'est l'équivalent de les hashmiya, faire entendre. Lan, c'est l'équivalent de lanu, qui nous fait entendre. Il nous fait entendre. Bon, ça, c'est un petit peu raide. Il faut à nouveau regarder dans le paragraphe de Steinsaltz, du bouquin de Steinsaltz, qui s'appelle la terminologie talmudique, et aller regarder à couf cette expression. Voilà. Ka mashma lan. Là, vous voyez, vous avez l'abréviation Kouf Mem Lamed. Il faut comprendre que ça veut. On est dans du droit, on est dans de l'herméneutique. Chaque mot est employé avec un sens extrêmement précis, un sens, je dirais, ésotérique quasiment, cryptique. Donc, c'est pour ça que c'est important d'aller voir, pas se satisfaire de dire bon, bah, ça veut dire il nous fait entendre. Oui, ok, il nous fait entendre. Mais il nous explique ici que c'est la conclusion d'une srihuta. On va voir après ce que c'est qu'une srihuta. La précision apparemment inutile de la Mishnah ou de la Baraita apporte tel enseignement et évite une interprétation erronée. Donc ça veut dire, en gros, si je reprends Barthénora, que... tourne. Donc, ils voulaient dire Tzet HaKochavim, mais ils n'ont pas employé dans la Mishnah nommément cette expression c'est la sortie des étoiles. Ils en ont employé une autre, c'est-à-dire que les prêtres rentrent pour manger la terouma, mais voulant signifier que c'était Tzet HaKochavim. C'est pas une erreur, c'est dans un but précis, et c'est donc Milta Agav Ocha
il nous enseigne une chose de manière à propos, au fait, tiens. C'est-à-dire, en utilisant cette expression-là, je veux enseigner aussi autre chose en même temps. Alors, kamashma lan, donc, il nous fait entendre, donc il, en fait, à propos de ça, on va apprendre autre chose. Chez im nitmehu akohanim ba tum'a, donc, car si les prêtres sont se sont souillés ba tum'a dans l'impureté, impureté au sens rituel, hein, c'est pas rien à voir avec le péché, etc. On va comprendre après. Chez taratan tluya ba korban, alors que leur purification, donc tamé c'est impur, tum'a c'est l'impureté, et le processus qui enlève l'impureté c'est tahara ou tohora, ça dépend comment on prononce, donc leur purification, tluya, alors talui, tala, ça veut dire pendre, et au sens figuré ça veut dire dépendre, talui b, ça dépend de, donc ça nous enseigne. Donc au début, finalement, on a droit à un enseignement gratuit, bonus, à propos de... voilà, on parlait de quelque chose, au lieu de dire Tzetah Kochavim, la sortie des étoiles, on dit, on parle de la purification des prêtres. Ça va nous enseigner donc que leur purification, Tluya Bekorban, est... est dépendante du korban. Donc korban c'est une offrande, un sacrifice qu'on va apporter pour réparer l'impureté, donc dans le cas où il y a une impureté. Kagon zav, alors kagon ou kegon c'est tel que, c'est ceux qui font les bons modernes, c'est assez connu. Zav. Alors, qu'est-ce que c'est Zav? Là aussi, on peut aller à nouveau dans Steinsaltz. Regardez, concept et termes halachiques. On va aller à Zayn. Et on va aller à Zav. Et on a Zav, un homme souffrant de gonorrhée. Le chapitre 15 du Lévitique et le traité talmudique Zavim expose la législation de cette impureté marquante qui a constaté un seul écoulement est assimilé au Baal Keri, donc quelqu'un qui a eu un écoulement séminal, d'accord, et son état d'impureté ne dure qu'un jour. S'il constate un second écoulement le même jour ou le lendemain, ou un seul écoulement prolongé, il a le statut de Zav et reste impur pendant 7 jours. Après un troisième écoulement dans les 24 heures suivantes, il devra apporter une offrande dans le cadre du processus de purification. Tohora, Re'iyot Hazav, et Tohora Tazav. Le Zav transmet l'impureté aux personnes et aux objets qui le touchent, Tum'at Maga, le porte, Tum'at Massa, et ceux qu'il fait bouger, Tum'at Heset, sur lequel il s'assoit et se couche, Mishkav, Moshav, Melkav, et par un, Even Mesama. Toutes ses sécrétions, sa salive, son urine et son sperme sont sources principales d'impureté, avotatoma, tout comme le siège sur lequel il s'assoit et son lit. Donc voilà le fameux Zav. Ce pauvre monsieur, donc, c'est un des cas, qui nécessite une purification et donc un korban, une offrande. Donc c'est intéressant parce que notre ami Barthénora finalement nous explique de quoi ça parle tout ça. Donc Metzora, c'est quelqu'un qui est lépreux. Je ne vais pas non plus faire des enseignements rapides sur toutes les lois de la pureté, mais on peut regarder aussi dans Steinsaltz à Metzora, bien entendu. On va avoir des précisions sur qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui est Metzora. C'est pas lépreux, évidemment, au sens moderne.
c'est quelque chose de halakhiquement plus complexe. En hakapara me akevtan mile echol batruma. Donc pour ces cas-là, de Zav et de Metzora, en hakapara, alors kapara c'est l'expiation. Donc là on peut encore aller une fois à kapara pour aller regarder ce que ça signifie. Kapara, 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 kapara. Concept et terme halakhique. Je fais vraiment comme si j'étais, j'allais dire, si je découvrais le texte avec vous, pour vous montrer qu'il n'y a pas de truc. Que, voilà, tous ceux qui font des enseignements comme ça, super bien huilés, évidemment, ils donnent l'impression de tout connaître par cœur, mais non, en général. Bon, à part quelques très grands maîtres, ils ont tous préparé. Bon, je trouve pas Kapara. En Hakapara, mais Akevetan. Alors, l'expiation ne les empêche pas. Milechol Batruma. Donc, mais les Akev, ils couvent, c'est retarder, empêcher. Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire En hakapara me akevtan ne les empêche pas de milechol batruma. Ça veut dire que ils peuvent se purifier. Bien sûr, il va falloir qu'ils apportent un korban, qu'ils apportent un sacrifice qui est préconisé, enfin, qui est demandé par la Torah dans le cas du Zav et dans le cas du Metzora. Donc, celui qui a un écoulement, enfin, plusieurs écoulements séminaux, comme je vous ai dit. Et l'histoire le cas de lèpre. Mais cela ne les empêche pas de manger quand même la terouma. Dirtiv. Alors, dirtiv, encore une fois, c'est écrit tout, enfin, pas tout, mais énormément de choses sont dans Steinsaltz. Donc, dirtiv, c'est dit, c'est che, l'équivalent, là c'est un terme araméen, dirtiv, en gros c'est che katuv. Ketiv, c'est le participe passé de katav, enfin en araméen c'est ktav, et donc c'est comme si on dit comme il est écrit. En fait, le fameux dirtiv, il va citer. Il va apporter un verset de la Torah qui va expliciter ce qu'on est en train de dire. Donc, comme il est écrit, et là c'est fort intéressant, Vayikra Kav Bet Zayin, donc. On cite Lévitique 22, alors si j'appuie dessus, hop, ça ouvre tout de suite. Là, on a maintenant, donc, à gauche la Mishnah, au milieu Barthénoa, et à droite, le Tanakh. Donc, Uva Hashemesh, je peux le dire ici, Uva Hashemesh, Vetaher, donc, et le soleil vient, et il est pur. Ve'acha yochal min hakodashim ki lachmo hu. Et après, il mangera des kodashim, des choses saintes, de la nourriture sacrée, ki lachmo hu, car c'est son pain. Alors vous voyez, ça fait un petit peu comme des bois de gigogne. Là, on est parti de la Mishnah, on arrive sur Barthénora. Il me semble que c'est intéressant de relire tout ce passage de Vayikra, au moins à partir du verset 4, ça permet quand même de resituer que tout ce que les sages racontent, c'est quand même écrit dans la Torah, et que leur souci est principalement d'expliciter et de rendre
j'allais dire, de pratique, de mettre en pratique ce qui est écrit dans la Torah. Enfin, de considérer les modalités pratiques d'exécution de ce qui est écrit dans la Torah. Donc là, si je prends le verset 4, je vais le lire assez rapidement, je ne vais pas faire des brevets bibliques avec vous, vous avez d'autres méthodes pour comprendre ce qui est écrit là-dedans, mais je vais quand même le rappeler rapidement. Donc, Ish, Ish, Mizera Aharon, donc un homme de la semence d'Aharon, donc un prêtre, un Kohen, Vehu Tsaroua, vous voyez que Tsaroua, Tsora, Metsora, ça c'est le mot biblique pour dire qu'il est atteint de lèpre. O Zav, ou qui a un écroulement séminal. Bakodashim Loyochal, les Kodashim, les choses saintes, les sacrifices en fait, il ne mangera pas. Ad Asher Yithar, jusqu'à ce qu'il soit purifié. Vehanogea Becholt Menefesh, et tout ce qui touche dans l'impureté. Alors, nefesh, l'impureté de l'âme, mais ça, c'est pas vraiment de l'âme au sens, c'est plutôt de la vie, donc du sang en réalité, je pense. Alors, Becholt Menefesh, donc quelqu'un qui a contracté, Tmenefesh, c'est quelqu'un qui a contracté une impureté. O Ish Asher Tetse Mimenu Shirvat Zera, ou un homme qui duquel sortira Shirvat Zara. Alors c'est une expression Shirvat Zara qui désigne en fait un tout simplement un écoulement séminal. Quelle que soit la méthode d'obtention, c'est quand il y a un écoulement. Zara, c'est donc la semence, et Shirvat, c'est le fait d'être couché. Donc quand on est couché, on a un écoulement séminal. Donc, O Ish Asher Yiga Bechol Sheretz, ou un homme qui aura touché à tout type de Sheretz. Alors Sheretz, c'est des trucs qui se traînent par terre, c'est des choses impures. Les lézards, des fourmis, je sais pas quoi. Asher Yitmalo, donc qui l'auront rendu impur en touchant ce Sheretz. O Be'adam Asher Yitmalo Lechol Tum'ato, ou un homme qui lui a fait contracter une impureté pour tout type de d'impureté. Bon, tout ça, c'est des trucs qui sont assez compliqués, hein, mais ça montre quand même que la Torah elle donne des choses assez précises. Après, les rabbins vont expliquer les cas. Voilà, elle donne des choses assez concises mais précises. Nefesh, donc une personne, une âme, une Asher Tiga Bo Vetama, donc une âme, une personne qui l'aura touché et qui se sera rendu impur, et se rendra impur. Ad ha-erev, donc jusqu'au soir. Donc en fait, c'est pas juste la personne qui est zav, mais évidemment, ça peut être de contracter l'impureté, comme on l'a expliqué assez rapidement Steinsaltz. Velo yochal min ha-kodashim, et il ne mangera pas des kodashim, ki imrachatz besaro bamaim, mais il lavera sa chair dans l'eau. Donc vous voyez, c'est l'idée de s'immerger dans un mikvé. Si on reprend le début du chapitre 22, très rapidement, on parle. Il faut lire l'ensemble du chapitre 22. On parle des prêtres et on parle des gens qui apportent leur kodashim, leur offrande pour les prêtres. Et même à la plus loin, on a aussi le mot teruma qui apparaît. Pour vous montrer que voilà, bon, les sages ont une terminologie qui est un petit peu différente de celle de la Torah, mais leur objectif c'est quand même de respecter totalement. Alors, je ne trouve pas le mot trauma, je dirais que c'est pas forcément l'objet ici. Vous pouvez reprendre le chapitre 22 du Lévitique de façon totalement de réétudier cette partie. Évidemment, ça sera positif pour comprendre
ce qui se passe ici. Donc, Uva Hashemesh Vetaher, Veachar Yochal Minakodashim, donc le soleil vient et il est purifié, et après il mangera des Kodashim. Biat Shimsho, Meakevto, alors Biat Shimsho, la venue de son soleil, assez bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire la venue? Mavo Hashemesh, ça veut dire le fait que le soleil se couche. C'est une expression qu'on trouve Mavo Hashemesh dans les psaumes, par exemple. Donc il y a Mizrach Hashemesh, c'est quand le soleil commence à luire, et Mavo, fait de venir. Bon, c'est pas évident quand on traduit en français, mais c'est une expression qu'il faut connaître. Biat Shimsho, donc c'est le soleil qui se couche. Donc son soleil, à celui qui a été purifié dans l'eau, hein, vient. Me'akevto mile'echol batruma. Donc le fait que le soleil se soit couché, cela l'empêche de manger la truma. Donc on a, si on récapitule, on a un zav, un metzora, etc. Il doit se laver, enfin il doit se laver, non, il doit prendre un bain rituel, hein, laver sa chair dans l'eau, comme dit l'abîme, et donc ça correspond au mikvé. Ça se passe pendant le jour, et après, il n'a pas le droit de manger la terouma, il faut attendre que son soleil soit couché. Ven kaparato mea kevet mele chol batruma, virkule. Mais par contre, Kaparato, donc le fait de faire l'expiation pour cet état de Zav, de Metsora, etc. Par contre, ça l'empêche pas de manger la Trouma. Donc ça veut dire qu'il peut aller faire son Korban pour le fait d'avoir été Zav ou Metsora plus tard. J'explique pas tout. On verra des choses plus tard après dans la Gemara. Mais voilà, Barthénora, lui, il donne une sorte de résumé très rapide de la Guémara, des problématiques. Si on allait dans Kehati, ça serait encore plus détaillé. Voilà, ce qui est intéressant juste là, c'est ce qu'il nous dit. Finalement, il nous fait un petit rappel. Si on veut aller creuser, on va aller dans la Guémara. Mais il nous dit, voilà, en fait, ce qu'on voulait, la Mishnah veut nous enseigner quelque chose en plus. C'est pour ça qu'elle dit, qu'elle parle de Akohanim Nichnasim Lechol Bitrumatan, au lieu de dire Tset Akohavim. Voilà. Mais en réalité, ce qui compte, c'est la sortie des étoiles. C'est vraiment le moment qui permet de dire que c'est ça le début du Kriyat Shema, du soir. Alors, continuez encore avec Barthénora. Atsof Hashmora Rishona, donc jusqu'à la fin de la première veille. Donc lui, il va nous expliquer aussi également des choses qui synthétisaient. Shalish Harishon Shel Halaila. Alors Shalish, vous voyez, ça vient de Shalosh. Ça veut dire un tiers. Shalish Harishon. Donc le premier tiers, Shel Halaila, de la nuit. Shehalaïla, car la nuit en hébreu c'est masculin, Nechlak, Chalak, Chalouka, divisé, Nechlak, les Lishlosh, Mishmarot. Donc la nuit est divisée en trois veilles, qu'on a déjà parlé l'autre fois, donc ça confirme, ou Misham ve Eilach, alors, ou Misham, et à partir de là, Ve Eilach. Et alors Eilach, c'est aussi un mot alors, qui existe en hébreu biblique, n'existe pas. C'est un mot qui existe en hébreu mishnique. Eilach, ça veut dire plus loin, après. Ou Misham Ve Eilach, et à partir de ce moment-là et après, donc la fin de la Hashmora Rishona, de la première veille, lo mikre tu zman kriyat shma dishkive.
Alors, là, il nous rajoute des choses qui ne sont pas dans la Mishnah. L'eau mikré. Alors là, vous voyez, c'est une forme un peu bizarre. Il commence à nous mettre de l'araméen, notre ami Barthénois. En fait, lui, il fait des choses qui sont plus ou moins déjà dans la... Alors, quand on est face à ça, soit on va dans un dictionnaire d'araméen, soit bon, on essaye aussi, effectivement, dans Steinsaltz, il y a un petit lexique d'araméen. Notamment, il y a une page qui s'appelle Araméen, les formes verbales courantes. Donc, on peut aller regarder si mikré, ça y est. Sinon, ben, tout simplement, on retourne dans dafyomi.com. On retourne dans le dictionnaire. Et là, on tape directement en hébreu mikré. Et là, il nous met makri. Makri, et donc ça veut dire donc là en fait on voit qu'il y a le aleph qui est tombé, donc visiblement makri ça veut dire lire. Il y a koré, c'est celui qui, et makri c'est celui qui le lit à haute voix. Donc lo makri tout, c'est un mot araméen qui veut dire, qui est l'abréviation de touv. Alors, si je marque tout ici, je vais aussi le trouver. Voilà. Voilà, on a, c'est l'équivalent de chouv. Il y a le bet qui est tombé. Le shin et le tav se permutent. Donc, tav en araméen, shin en hébreu. Donc, vous voyez, le bet est tombé. Donc, de chouv, on est passé à touv, l'équivalent en araméen de chouv. Et le bet est tombé, donc ça fait touv. Donc, ça veut dire à nouveau, chouv, od, shenit, etc. Donc, lo makri tout. Donc, en hébreu, si on traduit en hébreu, ça serait lo makri shuv. Zman kriyat shma dishkiva. Zman kriyat shma. Donc, le moment de la du Kriyat Shema Dishkiva Dishkiva, donc c'est D, c'est comme She. En fait, ça va même plus loin, le D. Plus on avance dans le temps, en hébreu rabbinique, ça signifie non seulement She, mais ça signifie aussi Shell. Donc Dil, ça se trouve aussi Dil. Et puis le lamed s'est barré, donc Kriyat Shema Dishkiva, c'est le Kriyat Shema de Shkiva, donc le fait de se Shriva, de se coucher, donc du soir. Donc à ce moment-là, à partir de cette fin de cette veille, Veilar, donc et au-delà, on ne récite pas à nouveau Zman Kriyat Shema, donc le moment, on ne peut pas dire le Kriyat Shema à nouveau pour le moment du coucher, ce qui correspond à la période du coucher. Velo Karina Beshor Vecha. Alors Karina, là, on peut aller regarder aussi directement quand on est, donc hop, Karina. Donc Karina, c'est Annie Corée. Donc, et je ne lis pas. Donc en fait, le na, c'est comme Anna, mais il y a cette particularité en araméen. On va découvrir progressivement que souvent, au présent, les suffixes sont accolés à la fin. Au lieu de dire Annie Corée, c'est comme si je disais Corénie.
Et donc, Anna, qui est je en araméen, donc Annie en hébreu, Anna en araméen, on va avoir le Anna qui va être collé, Kari Anna, entre guillemets, et qui est simplifié, et qui est soudé en Karina. Donc, Velo Karina, B, et je n'ai pas lu B, c'est-à-dire, alors B c'est pareil, il faut que je précise, ça c'est aussi dans Steinsaltz, les suffixes, mais c'est équivalent de beau en lui, et donc B, c'est-à-dire le Zman Kriyat Shema, ça remplace Zman Kriyat Shema, donc le moment du Kriyat Shema d'Ishkiva, du coucher, ben, si on est dans ce cas où on est après la première Hashmura, la première veille, eh ben, on n'a pas rempli l'obligation, l'Okarinu B, Beshor Vecha. Beshor Vecha, qui est donc l'élément du Shema Israël qui dit, qui oblige à lire ce texte, à réciter ce texte au moment où on se couche. Hein. Si on, évidemment, il faut connaître la prière du Shema Israël. Vous pouvez aller directement dans la Bible, mais c'est aussi intéressant d'avoir un sidour. Alors le sidour, vous l'avez en papier comme ceci, ou alors vous pouvez également aller dans Sepharia, toujours, si vous avez liturgie. Voilà, sidour, n'importe, Ashkenaz, Sepharan, Edot Amizrach. Voilà, si je prends le Ashkenaz, donc Shacharit, on va aller chercher un jour normal. Shacharit, enfin là, c'est plutôt Ma'ariv ou Arvit. Et on va avoir Blessing of the Shema. Voilà. First Blessing before the Shema. Et on a le Shema lui-même ici. Donc on a bien ici le texte de Deutéronome 6. Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ve'avta et Adonai Elohecha bechol levavcha bechol nafshecha bechol modecha. Ve'yu hadvarim ha'ele asher anochi mitzavecha ayom al levavcha. Ve'shenantam levanecha ve'dibarta bam. Donc ici, on a bien le commandement de dire ces paroles quand on se couche et quand on se lève. Donc c'est évidemment le Beshor Vecha si on est après Hashmura Rishona, on n'a pas rempli on n'a pas rempli cette obligation. Je vous rappelle quand même que ça, c'est d'ivrer Rabbi Eliezer. Hein. Ça veut dire que c'est pas la halakha. C'est l'opinion de Rabbi Eliezer, mais c'est pas du tout la halakha qui est retenue par les sages. Ou Mekame Tset Akochavim. Alors. Ou Mikame. Alors, Kame, on peut le prendre et aller le mettre ici pour regarder. Kamé en araméen, ça veut dire lifné, c'est-à-dire avant. Donc voyez, il faut regarder chaque mot, et c'est comme si on avait ou milifné tset akochavim et avant Mikame Tset Akochavim, Nami, alors Nami, idem, mais écoutez, Nami, donc on va, tout est là, Nami, ça veut dire gamme, très pratique, donc là aussi, ce qu'on peut éventuellement faire, c'est prendre un papier, un crayon, et puis commencer à noter, à se faire une liste de vocabulaire pour ceux vraiment qui veulent, j'allais dire, faire les choses sérieusement.
Personnellement, c'est pas forcément des choses que je fais beaucoup, parce que je peux aller voir directement dans Steinsaltz la traduction. Mais si on veut vraiment apprendre, et ben voilà, il faut noter Nami, c'est Gam. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On a vu pas mal de choses. On a vu Kame, qui veut dire Lifne, avant. On a vu Kari Na, donc le Na à la fin c'est Annie quelque chose. On a vu alors Eilar, c'est plus loin. Bon, pour ceux qui font déjà de l'hébreu moderne, c'est pas forcément au-delà. Ça, ils connaissent déjà ce mot. Alors, ou Mekame Tset Akochavim, et avant la sortie des étoiles, Nami, Gam, Yemama, pareil, ça c'est aussi un mot araméen. Bon, a priori, Yemama, c'est comme si on disait Yom. Yemama, c'est jour. Donc on peut aussi le noter, hein, tout ce qui est, c'est-à-dire du vocabulaire araméen, au fur et à mesure qu'on étudie, on peut le noter, se faire une liste de ce type-là et apprendre. Alors, Umekametset Akochavim Nami Yemama Hu. Donc, avant la sortie des étoiles, Gam Yom Hu, c'est encore le jour. Velav, alors lave, ça veut dire l'eau en araméen. Regardez ici, lamed, alef, vav. Vraiment, il y a vraiment tout ce qu'il faut ici. Voilà, l'eau. C'est employé aussi dans certaines locutions araméennes qu'on utilise en hébreu moderne. Lav davka, par exemple, qui veut dire pas précisément. Donc c'est encore le jour avant la sortie des étoiles. Velav zman shriva. Donc ce n'est pas le moment du coucher. Ve hamakdimim ve korim kriyat shma shel arvit mi be'od yom. Donc là, par contre, on repasse à de l'hébreu. Là, on était dans l'araméen, maintenant il revient à l'hébreu. Vous voyez, c'est une langue tout à fait scolaire, en fait, une langue tout à fait d'études artificielles. Il s'adapte en fonction des. Évidemment, si parle en araméen là, c'est parce que dans la Gemara, il tire ses informations d'un texte qui est en araméen, qui est la Gemara. Ve'amakdimim, donc les hakdim, kodem, kedem, c'est avant. Les hakdim, ça c'est de l'hébreu, ça veut dire devancer, avancer. Donc ceux qui avancent, qui font ça avant l'heure, ve'korim, alors là, on devrait avoir un aleph, évidemment, c'est korim, koré, lire. Kriyat Shema Shel Arvit, donc le Kriyat Shema du soir. Mibod Yom, alors qu'il est encore jour, qu'il fait encore jour. Somchim Aha de Rabbi Yehuda. Somchim Lismor. Lismor, ça veut dire s'appuyer sur. Voilà. Ensuite, on a Aha. Donc qui est vraisemblablement la. Donc on a déjà parlé de ce aleph qui se greffe au mot. Voilà, on peut aller directement. Il va nous donner la traduction ici si on met aha comme ça. Non, il ne la donne pas. Bon. Il ne la donne pas. Mais on sait que ha, ça veut dire celui. Donc aha, sur celui. Donc des gens qui font. Les gens qui font le Kriyat Shema avant le. Encore qui fait encore jour. Somchim, donc ils prennent appui. Aha des Rabbi Yehuda. Sur celui, je pense que c'est sur l'opinion des Rabbi Yehuda.
donc chez Rabbi Yehuda, de Rabbi Yehuda, de Amar, chez Amar, qui a dit les Kaman. Alors les Kaman, c'est aussi une expression arménienne qui s'emploie assez alors ils mettent les Fanenu et les Halan. Alors on est bien avancé avec les Halan. Ceux qui savent pas, donc les Halan, c'est beaucoup plus évidemment plus fréquent en hébreu moderne, ça veut dire si après ou plus loin. Donc les Kaman ici, ça veut dire plus loin, ça veut dire que dans d'autres plus loin dans la Mishnah, je suppose, Rabbi Yehuda, il donne une opinion sur le Perek Tfilat HaShachar, Tfilat HaMincha, Ad Peleg HaMincha. Alors, sur le Perek Tfilat HaShachar, ça nous donne l'occasion peut-être juste de cliquer et de regarder les différents chapitres. Parce que ces chapitres, en fait, ils ont des noms, les chapitres de la Mishnah. Donc là, si on va sur Aleph, alors j'ai pas l'impression qu'il les montre. Non, il les montre pas, ces chapitres de la Mishnah. Ils doivent apparaître ici au niveau du traité du Talmud. Voilà. Si on va ici, on a les noms des chapitres de la Mishnah. Donc non seulement ils ont des numéros, les chapitres de la Mishnah, mais en fait ils ont des noms. Vous voyez, le premier chapitre, c'est Mei Matai. C'est en général le premier mot ou premier mot important du chapitre. Haya Kore, donc il était en train de lire. Mishemetu, donc ceux qui sont morts. Et voilà, Tfilat HaShachar, vous voyez, c'est le chapitre 1, 2, 3, 4. Donc quand notre ami Barthénois, il parle du Perek Tfilat HaShachar, en fait, c'est le chapitre 4 de la Mishnah. Donc, il rapporte une opinion de Rabbi Yehuda, Tfilat HaMincha Ad Peleg HaMincha, qui parle de la prière de Mincha. Donc, Tfilat HaMincha Ad Peleg HaMincha, je pense que c'est une citation de Rabbi Yehuda dans le chapitre 4 de la Mishnah. Donc Tfilat HaMincha, Mincha, c'est la prière de l'après-midi. Ad Peleg HaMincha. Alors, Peleg, c'est un concept. Donc là, on peut aller voir. En fait, on peut aller voir évidemment à chaque fois toujours dans Steinsaltz, les concepts et termes halachiques. Donc, on peut aller voir à Peleg, par exemple. Donc, Peleg, c'est pas au sens. C'est pas du tout au sens comment dire, biblique. Peleg, c'est une sorte de bras de rivière, un courant. Là, Peleg HaMincha, en fait, c'est une plage, on pourrait dire, pour reprendre les mêmes consonnes PLG, une plage de temps qui est consacrée à Mincha. C'est aussi une division du temps, cette fois-ci, Hashmoura, c'est plus pour la nuit, Peleg, ça va être pour le jour. Donc, Mincha, c'est la prière de l'après-midi. Étonnamment, je ne vois pas le mot Peleg dans les concepts éternels à l'Afrique chez Steinsaltz. Alors, ils vont nous expliquer quel est ce Peleg HaMincha, donc l'heure, on va dire, le temps où on va faire cette prière de Mincha. Shehu Sha'a Veravia Kodem Halaila. Donc, ils définissent en fait cette plage de temps. Alors, après, on peut regarder Peleg
peut-être que c'est le moment, par exemple, de regarder dans Jastrow pour avoir une traduction un peu meilleure que celle que je vous donne actuellement. Voilà. D'où l'importance, des fois, d'avoir des outils complémentaires. Peleg, Hamincha. Check. Oui, Pilug, c'est une division. Bon, en fait, il y a quand même la même idée que dans Palgemine, donc des courants d'eau, parce que Palgemine, c'est... Il faut imaginer des courants qui se ramifient. Voilà, je pense que c'est un peu l'idée qui est derrière. Donc, il nous explique que ce Peleg Amincha, c'est Shaa, donc une heure, Veravia, c'est comme Reva. Reva, c'est en hébreu biblique, Ravia, c'est en hébreu mishnik, on va dire. C'est donc un quart, Kodem Halaila, avant la nuit. Donc, une heure et quart avant la nuit, c'est Peleg Amincha, c'est le moment... c'est le moment où on dit la période de la Tfilat Mincha. Vekil de Avar, alors Kof Yud Lamed, qu'est-ce que ça signifie? Donc là, pareil, on peut retourner voir les abréviations dans Steinsaltz. Donc on a Kaima Lan pour Kof Yud Lamed. Kaima Lan, qui veut dire que l'on voit également, je peux vous montrer hein, dans Steinsaltz. Il faut vraiment naviguer en permanence. Donc j'ai trouvé le Kitsur ici. Il est où? Voilà. Voilà. Kof Yud Lamed au milieu ici. Voilà. Kaima Lan. Et ensuite, Kaima Lan, qu'est-ce que c'est? Eh bien là, on va dans la terminologie talmudique. Hein, et on va à Kof. Et on a Kaima Lan. Kof Yud Lamed. Nous tenons par tradition la règle suivante. Introduit généralement une règle halakhique confirmée. Voilà. Donc, Kaimalan de Avad ke Rabbi Yehuda Avad. Alors, Avad, c'est un faux ami. En araméen et en hébreu. Donc, en hébreu, c'est évidemment travailler. Et en araméen, c'est faire. Là, Avad, c'est Assa, équivalent de Assa. Donc, Vekaimalan de Avad Kerabi Yehuda. Alors, le Resh apostrophe, ça, c'est Rabbi. Hein. Rabbi ou Rav, c'est une abréviation. Donc, et nous tenons, donc, Kaimalan, nous tenons par tradition que celui qui a fait comme Rabbi Yehuda faisait, ou Miyad. Miyad, ça veut dire immédiatement. Ça, c'est de l'hébreu aussi tout à fait standard. Pas vraiment biblique, mais c'est de l'hébreu. Et immédiatement, Keshekala Zman Hamincha. Immédiatement, que après que le... Alors, Kala... Ça, les chalot, c'est comme c'est comme en hébreu biblique, ça veut dire se terminer, être fini. Vaychulu, Hashamaim, Vaaretz, Vechol Tzvaam, dans Genèse, et les cieux et la terre furent terminés. Donc là, c'est la même chose. Ou Miyad Kshekala Zman HaMincha, donc immédiatement après avoir fini la prière de Mincha, même si on n'est pas encore arrivé à la fin du jour, si le Peleg Mincha finalement n'est pas fini. Matril Zman Kriyat Shema Shel Arvit, donc commence le temps, donc le temps de la prière de Kriyat Shema de Arvit peut commencer.
Donc voilà ce que nous explique notre ami Barthénora. Il y a encore pas mal à dire à propos de Barthénora, de son commentaire. Je pense que c'est intéressant. On peut peut-être prendre encore une autre vidéo pour continuer. Et évidemment, il faudrait aussi à un moment donné passer à la Guémara qui elle va expliciter tout ça, mais dans des détails assez importants et en araméen. Voilà, faites-moi part de vos commentaires, de vos questions. Est-ce que ça va trop vite? Est-ce que ça va pas assez vite? Qu'est-ce que vous comprenez pas? Si vous avez besoin de liens, n'hésitez surtout pas à me faire des commentaires. Et je vous dis à bientôt.